Attaque surprise! Attaque surprise! Ouh! Oh, elle est trop conne! Wesh, les gens, bien quoi. C'était l'épisode 1065 de One Piece. Dernier épisode, épisode What the Fuck. Il s'est passé tellement de trucs, frère. Une petite révélation sur le fruit de Luffy. On a vu le Gorosei après 250 000 épisodes. Tête de roi. Et la nouvelle forme de Kaido. En fait, de Kaido, on l'a vu une seconde, ça fout les nuits. J'espère qu'ils vont nous la montrer bientôt. Et vas-y, plus ou moins. Là, je pense que ça va se focaliser sur Big Mom vs Loki. Comme on l'a vu dans la preview. Allez, c'est parti. Toy Animation. Ah ouais, on va laisser l'opening. Je l'ai pas beaucoup écouté celui-là, alors qu'il est lourd de ouf. Rock Shanks. Ça n'a pas vu ça dans l'opening encore. C'est quoi cette attaque de folie là? On dirait que ça attaque la capitale. Demo no bashite kaze oki ni sarite. Ok, l'épisode, on garde pas. Demo no bashite kaze oki ni sarite. Ouais, c'est un des meilleurs openings, je te mens pas, il est lourd. Bon, avec Zo. Kaido! Et ils l'ont fait what the fuck dans l'anime, c'est incroyable. Zunisha, frère, je suis en ouf, moi. Complètement zappé de parler de Zunisha. Qu'est-ce qu'il vient foutre ici, frère? Qu'est-ce qu'il va faire, gros? Il va se battre en Kaido, Krari. C'est la meilleure forme de Kaido, la forme la dernière forme qu'il a montré dans le dernier épisode. Elle a trop de flow, gros. Elle a trop de flow. Elle est meilleure sa forme hybride. Gorosei, ce fruit n'est qu'une légende, même pour nous. C'est cramé, c'est le fruit de Luffy. Son dernier éveil remonte à des siècles et des siècles. A-t-il pris le nom? C'est sûr, le nom de Luffy, le fruit de Luffy, il a un autre nom, c'est pas le Gomu Gomu no Mi. Et face à son nom de notre histoire, Zunisha, s'il nous montre ça juste après qu'il dit ça, c'est-à-dire Zunisha, il est venu pour... Pour parler avec Luffy, je capte pas la dôme. La fin de l'alliance. Que brûle la volonté de la relève. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Le fruit de Luffy, il a un autre nom. Qu'est-ce qu'il fout ici, Zunisha? Je comprends. Hop.
En plus, il y a une distance de ouf entre Zo. Enfin, à Dafo, on a vu Zo et Wano, il y a une distance de ouf. Ok, c'est parti pour le combat le plus éclaté de Wano. Je capte pas comment ce combat là, il est même pas encore fini alors que Zoro King Sanji Vescune il est déjà fini, c'est une dinguerie pour moi. Un combat aussi éclaté. Je te mens pas, même s'il nous lâche une bête d'animation pour cette fin de combat, j'en ai rien à faire. Ah, oh, des persos comme ça m'intéresse pas, gros. C'est quoi ça? Bah, ils ont vu ce que je. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre, frère? Même Hawkins vs. Killer, c'était 10 fois mieux, 10 fois mieux intéressant, 10 fois plus intéressant. Jinbe, doit être fatigué avec son combat contre Ozu. Ça veut dire qu'après Wano, Jinbe va rester avec eux, gros. Il utilise pas son jujutsu. Il met de l'eau partout, c'est carré. Mourir brûlé, hein. Ça cause d'attaque de Kanjuro. Ouh. Attaque qui là? Qui sont killer et qui de l'eau? Il va revenir à sa forme normale. Zoro, c'est vrai. Zoro doit être HS de chez HS. Valsoni Chopper. 30 os cassés. Et vraiment, Zoro, c'est le gars le plus résistant de l'équipage. Même plus que Luffy, gros. Est-ce qu'il a pris dans One Piece, gros? C'est une dinguerie. À Thriller Bark, là, ce qu'il a pris avec Kuma. Ce qu'il a pris à Ashabonji avec Kizaru. Ce qu'il a pris là, à Wano. Ce qu'il a pris contre Mio, gros. Mio, Zoro, il est trop résistant, c'est une dinguerie. T'inquiète pas pour mon gars Zoro. Bah, là, il est HS, ouais. Il peut plus bouger hein, jusqu'à la fin du combat, gros. Y'a rien, t'as fait ton boulot, Zoro. T'as pris le bras droit d'un empereur. T'as fait ton taf. Oh! Qu'est-ce que c'est que ces conneries là? Il rêve de quoi là?
La mort. Je suis en train de faire un cauchemar ou quoi? C'est quoi ces conneries? Tu vas me dire. Là... Attends, c'est un cauchemar ou Zoro il est tellement à la porte de la mort que. Oh, c'était bizarre ça, justement pas. Oh, je sais pas c'est quoi le délire là, mais. Frankie! Iso. Ah, y a Usopp avec lui. Usopp et Kiku. Salut à la nouvelle ère. Wesh, il peut même pas esquiver ça? Ah, attends, on connaît One Piece, c'est pas comme si ils allaient mourir. Hein. Normalement, les Akaza, gros, il y en a qui devaient mourir, gros. Ouais, c'est pas avec un. Wesh, mais gros, quel bail, gros, ici? Il s'est fait planter comme ça, là? Après, il est mal en plan, ouais. Mais... Oh, ils vont mourir ou c'est quoi le délire là? Il n'y avait pas Usopp et son petit frère là? Avec lui? CP0. Qu'est-ce qu'ils foutent ici, eux? Ils se battaient pas contre Drake? Oh. Quel crime! Quand ils sont battus contre Barbe Noire? Nico Robin, ouais. J'avoue, je joue pas avec eux, gros. Vu comment il est blessé, gros. Ils vont te buter, frère, si tu bouges. Non, t'es bête, Iso, frère. Sop, j'ai peur. Yamato, ouais, c'est pas la première fois, elle a son. On sait très bien, ça a pas explosé, frère. Mmh.
Ah mais c'est vrai, elle peut l'arrêter que sa glace. Ouh, la même attaque que Kaido mais avec de la glace. On va voir là, moi c'est carré. Et pourquoi elle a pas fait ça contre son attaque? Yamato, elle arrive pas à vaincre l'attaque de Kanjiro. Il y a même pas intérêt que ça se produise, gros. Parce que sinon, c'est des conneries. En vrai, vu comment ils font durer Kanjiro et Orochi, j'espère qu'ils vont mourir d'une bonne manière. Pas te mentir, ça foulait comment ils les. Comme ils les font durer les deux là, mais au moins j'espère qu'ils auront une bonne fin. Une fin sale, bien méritée. Enfin Big Mom. Mais les deux, comment ils vont vaincre Big Mom aussi? Je comprends pas ça, frère. Eh, c'est Big Mom, hein. Je l'aime pas gros, mais je serais même puissante. Elle est surtout résistante, comme tous les empereurs en vrai, mais. Comment les deux ils vont vaincre Big Mom? T'as là, faut le go. Des vieux qui ont survécu. Pas te mentir, Big Mom elle est bien vieille. Elle est bien bien vieille. C'est qui déjà pour dire ça là? C'est... Wesh, ils font pas partie de l'équipage, gros. Oh! Elle commence à être fatiguée! Et là, ouais, mais Lo et Kill sont morts dans le film, gros. Ok, c'est subordonné. Gros, je m'en rappelle même pas deux, frère. Est-ce que c'est connerie, là? Comment Big Mom va être vaincu par ces deux-là, gros? Je comprends, hop. C'est qui, eux, frère? J'ai jamais vu. Ok, eux, ouais. Ah, c'est l'équipage de Kid! C'est à gauche, l'équipage de Kid. Elle commence à être fatiguée, hein. Elle commence à bien être fatiguée. Est-ce qu'il va chier dessus devant... Oh. Oh, elle va monter? Elle va monter! Oh. Et ils ont servi à rien, frère! Luffy, il fait son 1-1 et ils ont fait un 2-1, frère, ils ont pas réussi à là. Non, là, c'est pas remonté, gros, Luffy, il est mort dans le film. Ashlo et Kid se sont fait torcher, frère! Oh!
Ouh, son éveil. Attaque surprise, attaque surprise. Ouh. Oh, elle est trop conne. Oh, elle est trop conne. Oh, Big Mom. Oh, Big Mom. Non, non, elle est pas morte du coup, mais en tout cas, c'est pris un coup de ouf, là. Oh, Big Mom, elle est bête! Ok, l'eau. Kid, il sert à rien. Eh, je vous dis la vérité, Kid, la tête d'homme. Il sert à rien, frère. C'est comme son attaque Interchoc. Oh, Big Mom. Et c'est pour ça que je l'aime pas, gros. Comment tu peux baisser ta garde comme ça, wesh? En plus, son haki, gros. Tu vas me dire, elle a pas d'haki de l'observation? Ah, là, mais Big Mom, c'est trop, gros. Eh, tu es là, j'en ai rien à faire. Oh, c'est trop, gros. Comment tu. Wesh, comment t'es un empereur, tu baisses ta garde comme ça? Ouais, j'ai l'air de faire un méca. Vrai, vrai. Elle bouge même pas, elle essaie même pas d'esquiver. Elle... Oh là là, Big Mom gros. Oh, comment je l'aime pas celle-là. Oh, comment je l'aime pas. Elle bouge même pas, frère. Oh putain, elle m'énerve celle-là. Elle m'énerve. Quelle est, c'est vraiment l'empereur la plus claquée de tous les temps, frère. Entre l'attaque de l'eau, elle a baissé sa garde. On dirait qu'elle a même pas d'équipe de l'observation. Elle reste planchée, frère, en regardant l'attaque de Kid. Ok, ça j'aime bien ça. J'aime bien. On va regarder la preview. Aïe, 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 Big Mom. Un récap. Oh. Ok, moi l'épisode il était lourd, je t'en parle. Il était lourd. Prochain épisode, vous savez, c'est dur quoi. S'il y a un récap, c'est dur le prochain, c'est dur dimanche prochain là. Épisode de psychopathe avec une animation de ouf. Ils nous ont fait la même chose pour Zoro King. Donc le prochain épisode, ça va être une dinguerie. Est-ce que c'est de la fin du combat Bikom Kaido? Je pense pas en vrai. Parce que c'est... Bikom, le gros là, j'ai envie qu'elle parte gros. C'est elle m'a saoulé celle-là. J'ai toujours dit, j'aimais pas que Bikom, là c'est dinguerie. Gros, comment il peut baisser sa garde comme ça, wesh? On dirait comme je l'ai dit, elle a même pas d'équipe d'observation, gros. C'est un empereur. Mais elle peut pas voir le futur à la catégorie, gros. Ça, c'est, pour moi, c'est du n'importe quoi. Elle se prend l'attaque de Kid en restant planché là, rien faire, gros. C'est vrai. Mais celle-là, Erodel, elle l'a pas respecté. Hein. Elle, c'est le seul empereur, l'empereur le plus claqué de tous les temps, le seul empereur qui s'est pas respecté comme ça, gros. C'est incroyable. Bon, ça veut dire que Big Mom, ça va être le premier Yonko vaincu. Bon, à part Barbe Blanche, mais.
Oh, Blanc, c'est pas la même chose, on l'a sauté à 50 000, mais ça a été le premier empereur vaincu de One Piece, ça c'est lourd. Je vais pas te mentir, si le prochain épisode, là, comme ils ont fait un récap, là, ça veut dire que le prochain épisode, ça va être une animation de ouf. Je vais pas te mentir, je préférerais qu'il le termine, qu'il termine Big Mom, là, le 1000, on est en combien, là? Un épisode combien, là? 1000, bon, en tout cas, le prochain épisode de One Piece, j'espère qu'ils vont le terminer. Ils vont terminer Big Mom, quand ça c'est carré, on se focalise sur le vrai combat Kaido Luffy. Et là, on aura que du sale. On aura les réponses à nos questions, j'espère, bientôt, avec Zunisha et les fruits de Luffy. Parce que là, on dirait ils vont même pas nous parler de ça, frère, pendant encore 10 épisodes, on les connaît. Bon, on se retrouve pour l'épisode de. Pas ce dimanche là, l'autre, comme d'hab, vous connaissez, vous avez capé, c'est qui fait pas de like, commenter, partager sur ce. Peace.